Un jour, en Espagne, un Marocain sahraoui s'est approché de moi et m'a demandé ce que je savais au sujet de la question du Sahara. J'ai répondu en disant que je sais ce que tout le monde sait. Alors il m'a invité à parcourir la route des quatre doigts. C'est quoi au juste les quatre doigts? C'est ce que je me suis demandé. Il m'a raconté que ce sont les quatre doigts qui séparaient la vérité du mensonge, le sens de l'ouïe qui représente le mensonge et le sens de la vue qui représente la vérité. J'ai donc décidé d'entreprendre ce voyage dans les camps de Tindouf. Je voulais rencontrer ces réfugiés qui n'ont aucune patrie, qui vivent dans la pauvreté extrême. Je voulais faire le déplacement vers le territoire marocain où sévit, dit-on, la répression, l'interdiction de circuler et un régime militaire. Ce que j'ai vécu commence maintenant. Je suis arrivée à Tindouf et je me suis très vite retrouvée en compagnie d'une famille sahraoui qui m'a quasiment adoptée. Nous partons en voiture blindée sous la protection du Front Polisario et nous allons vers la localité de... comment s'appelle la localité? Al-Hagounia. Ah, elle s'appelle Al-Hagounia? Camp Al-Ayoun, troisième quartier. Il s'agit du camp Al-Ayoun du troisième quartier? Maintenant, nous montons en voiture vers notre destination. En arrivant la nuit à Tindouf, en provenance d'un aéroport militaire, j'ai été reçue par une famille sahraoui et un chauffeur qui s'appelle Atril. Il m'a accompagnée tout au long de mon voyage. Sur la route, je suis impressionnée par une clôture en fil de fer barbelé. Nous sommes escortés par des éléments de la gendarmerie algérienne jusqu'à notre arrivée à une zone militaire sous contrôle de l'armée algérienne. Là, des éléments du Front Polisario ont pris la relève pour nous escorter. J'ai essayé de filmer en cachette en veillant à ne pas prendre les numéros d'immatriculation. On me demande d'être vigilante pour ne pas attirer l'attention des Algériens. J'ai donc cessé de filmer au moment opportun. La protection qui m'a été assurée par l'armée algérienne et des éléments du Polisario crée en moi un sentiment de peur. Voilà tout ce qu'il y a dans la tente. Nous vivons en communauté dans cet espace, nous dormons ensemble, l'un à côté de l'autre. Voici mon lit. Et ici, il y a la table, sur laquelle est posée une bouteille d'eau et du jus de fruits en conserve. Je n'ai pas faim, je décide donc de me reposer après les longues heures de voyage. Voilà, je vous dis bonne nuit. Buenas noches. Je suis arrivée aussi la nuit à Al-Ayoun au Maroc pour pouvoir dresser un comparatif en passant aussi 5 jours exactement dans cette ville. Je suis arrivée à Al-Ayoun en provenance d'un aéroport civil. J'y suis arrivée la nuit aussi. Un chauffeur m'attendait pour me faire parcourir en toute tranquillité les grandes artères de la ville, très animées par les passants dans les rues. J'ai pu constater la diversité des lieux et des gens. J'ai vu des femmes vêtues d'une melhfa ou sans. Et j'ai été surprise par la présence du restaurant McDonald's. En général, ce genre de restaurant n'ouvre pas dans les zones de conflit. À Al-Ayoun, j'avais un rendez-vous le lendemain à la municipalité, mais je voulais d'abord commencer par visiter les camps des réfugiés. Et là, j'ai été très surprise quand j'ai découvert que je n'avais pas à le faire parce que, tout simplement, la ville de Al-Ayoun n'est pas un camp de réfugiés. Parmi les choses que j'avais demandé avant mon départ, c'était de programmer des rencontres avec les dirigeants du Polisario. Et jusqu'à cette heure-ci, je n'ai reçu aucune réponse à ma requête. Durant mon premier jour à Tindouf, on m'a conduit à une maison qui sert de local pour la municipalité. En me présentant un homme qui se déclare être le président de cette municipalité, on m'a interdit de filmer la rencontre, alors j'ai juste pris quelques clichés. C'était une de leurs exigences, elle me paraissait logique au début, puis le président de la municipalité m'a demandé de quoi repeindre les murs endommagés par la pluie. Une demande m'a aussi énormément choquée, celle de fournir un grand écran et 2 haut-parleurs
pour que les passants puissent regarder les festivités organisées dans la municipalité. Que pouvais-je dire alors? Pourquoi fournir tout ce dispositif, sachant que les gens sont en principe dans la rue? À Laayoune, j'ai été impressionnée par l'architecture de la mairie. Il n'existe pas beaucoup de mairies dans le monde qui lui ressemblent. J'ai rencontré les élus qui représentent la population. Ils sont tous sahraouis. Mon message est le suivant. En ma qualité de jeune femme sahraoui et défenseur des droits de la femme, je peux vous assurer que la femme sahraoui jouit pleinement de tous ses droits. Elle joue des rôles multiples et n'est pas seulement une femme au foyer comme certains le croient. Personnellement, j'ai poursuivi mes études à Madrid et mes copines me posaient des questions sur la situation de la femme sahraoui et si elle souffrait de l'esclavagisme. Je répondais que les choses ne sont pas comme certains le prétendent. En tant que conseillère municipale et jeune sahraoui, je suis venue à Madrid, loin de ma famille, pour étudier et pour être libre. Le conseil communal se compose de 47 membres issus de 4 partis politiques et c'est nous qui gérons les affaires locales. Est-ce le nouveau marché moderne doté d'un système d'aération? Oui. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Il dispose d'un système d'aération qui évacue les mauvaises odeurs. La propreté est aussi très importante. Ici, nous avons le poisson. Bonjour, ça va? C'est du poisson frais? Oui, il est frais. Et là, c'est la glace. Et là, c'est la salle frigorifiée pour garder le poisson au frais. Impressionnant de voir comment la glace tombe. Le maire est une personne charismatique. Il a monté ce projet en accordant la priorité aux femmes pour qu'elles bénéficient de plus d'opportunités de travail, sachant que parmi elles, il existe des veuves, des divorcées qui ont encore plus besoin de travailler. Et maintenant, où va-t-on? Nous allons à la gare routière. Comme je l'ai dit auparavant, la mairie a choisi de lancer ce projet dans cette zone défavorisée. Pour donner une impulsion économique à cette zone, on a lancé plusieurs projets, dont la création d'unités hôtelières. Cela a eu des répercussions positives pour le bien-être des populations. Avec tous ces projets, Laayoune est devenue une ville hospitalière, puisqu'elle dispose d'une gare routière incroyable. Construite sur une superficie impressionnante, la gare dispose de tous les équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite. Ici, nous avons plusieurs équipes de football. Une d'entre elles joue en première division et reçoit d'autres équipes ici une fois par semaine. Nous avons aussi une équipe féminine qui joue également en première division et s'entraîne dans ce stade. Le club féminin dispose de 25 chambres, une piscine couverte et une salle d'esthétique. Le club est totalement féminin. La municipalité de Laayoune accorde une attention particulière au volet sportif en facilitant sa pratique. Elle a même conclu plusieurs conventions de jumelage avec des clubs européens comme le club italien AC Milan. La bibliothèque de Laayoune, deuxième au Maroc après la Bibliothèque nationale de Rabat, dispose des dernières nouveautés technologiques, des salles et des tentes pour sauvegarder les traditions du Sahara, tout en servant du thé pendant la lecture. Les abattoirs de la ville sont dotés des dernières infrastructures technologiques pour contrôler la qualité. Ici, tout est contrôlé avec précision et selon les normes de l'Union européenne. Après avoir visité plusieurs projets initiés par la municipalité dans différents secteurs, j'ai accompagné le vice-président de la mairie de Laayoune pour s'enquérir d'un projet environnemental d'envergure.
Ici, c'est la décharge. Elle est dotée d'une technologie avancée pour la collecte, le transport et le traitement des déchets. Vous voyez cette couverture blanche où l'on pose les déchets sous des pierres pour extraire le jus des ordures. Les canaux permettent une gestion efficace et durable des déchets ménagers en adoptant des techniques modernes et les normes internationales en matière de stérilisation et d'élimination des bactéries et des odeurs désagréables pour éviter que toute fuite de matière toxique puisse nuire à la santé des populations et à la nappe phréatique de la région. Nous sommes revenus au camp des réfugiés à Tindouf. J'ai quitté l'Espagne en sachant clairement avec qui je voulais débattre, mais je n'ai pas pu réaliser mon projet. Je voulais voir les dunes de sable et on m'a conduit dans une zone se trouvant à proximité des camps d'où je pouvais les voir. Une fois sur place, j'ai constaté l'existence de panneaux électriques qui ne profitent pas aux populations des camps. Et puis on m'a demandé de ne pas m'aventurer au-delà de cette zone, une zone surveillée par les Algériens. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'être encerclée. Là, je suis dans une autre zone qui s'appelle Amgala. C'est ici que sera célébrée pendant 2 jours une cérémonie de mariage. Quelqu'un m'a dit que cette bâtisse est la même que j'ai déjà visitée à mon arrivée à Tindouf pour déposer mon passeport conformément au protocole en vigueur. Toujours en compagnie de mon chauffeur à Trier, j'ai vu des travaux de construction de la route et j'ai constaté que les ouvriers étaient tous algériens. Aucun Sahraoui parmi eux. Le travail sous le soleil semble pénible. Ces ouvriers sont bel et bien algériens. Je vais tourner la caméra vers un autre endroit pour que vous puissiez voir ce que je veux vous montrer. Des panneaux électriques à proximité de la zone où j'habitais. J'ai été choquée par le fait que la zone ne dispose pas d'électricité. Mon compagnon de route m'a demandé de ne pas m'approcher, de ne pas dépasser la dune parce que derrière elle, des Algériens s'y trouvent. Khalil Abad est le directeur général de l'hôpital ophtalmologique dans les camps de Tindouf. Il m'a reçu en étant allongé. Il était très fatigué, m'a-t-il dit. La visite s'est déroulée un samedi dans la matinée à 10h30. Après, j'ai pu constater que ce n'était pas un simple hasard. Là, j'ai rencontré 2 bénévoles espagnols, un père et son fils qui exercent comme médecins. J'ai aussi discuté avec une bénévole espagnole qui dit travailler à titre privé. Tous se plaignaient de la même situation, celle du manque de médicaments. Par pure coïncidence, un réfugié m'a raconté que l'une des pharmacies qui vendait ces médicaments appartenait à Khalil Abab lui-même. Ce que vous allez voir maintenant est indescriptible. Je commence ma visite à l'hôpital en compagnie d'un individu vêtu d'un tablier blanc.
Je vois des femmes accompagnant leurs enfants pour se soigner. Un pédiatre était en train d'effectuer une visite à l'hôpital. Je fais la connaissance d'un père et son fils, tous les deux médecins espagnols. À ce moment-là, j'ai compris que cette visite allait être très fructueuse. J'ai discuté avec Juan Cervera, il est médecin généraliste et fils du pédiatre en visite à l'hôpital. Pour ce qui est du soutien médical, il existe beaucoup de choses qui devraient être faites. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un camp de réfugiés, qu'il y en a 5 au total. Dans l'un d'eux se trouve un hôpital général qui dispose de tous les équipements, médecins et infirmiers très professionnels. Ils ont été formés à Alger ou à Cuba. Mais dans cet hôpital, la plupart sont des bénévoles, médecins spécialistes ou praticiens de la médecine générale et des urgences qui viennent de différentes régions espagnoles et aussi d'autres pays. On trouve également des éléments locaux, dont des infirmiers et des auxiliaires, qui ont reçu des formations différentes ou qui disposent d'une expérience professionnelle sans formation. Par contre, les outils de travail sont précaires, voire inexistants. Elle, c'est Dolce Rota Echesobiaga, une bénévole espagnole qui se déplace depuis 12 ans dans les camps de Tindouf. Effectivement, il existe un manque flagrant de médicaments. C'est un grave problème de santé, il y a même une hausse de la mortalité infantile, même s'il démente cette situation. Quand je visitais certaines familles, j'ai trouvé des nourrissons qui disparaissaient quelques mois après. Je parle de ce que j'ai constaté de visu dans la zone où j'intervenais. Et personnellement, j'ai été témoin de la mort de plusieurs enfants. Au moins 4 ou 5 cas. Et le dernier que j'ai vu était un bébé, âgé d'un an et demi, décédé suite à une grippe non soignée, à cause du manque de médicaments, justement. Et le bébé a eu des complications respiratoires, cardiaques, devenues chroniques. La situation dans cet hôpital est catastrophique. Il n'y a plus de patients. Par exemple, parmi les maladies chroniques enregistrées ici, il y a les problèmes liés à la coagulation qui nécessitent une méthode d'épuration du sang à travers une membrane. En cas de manque de médicaments, le patient est exposé à une détérioration de sa santé, voire à la mort. Deux femmes et deux enfants étaient les seuls patients que j'ai pu croiser dans cet hôpital. L'année dernière, nous avons rencontré un problème pour administrer un médicament par injection à un patient pour calmer ses douleurs aiguës de rein. Nous n'avons pas trouvé d'injection suffisante puisque nous ne disposions que de seringues de 20 ml qui ne nous permettaient pas d'administrer les soins nécessaires. Bref, le manque est maximal. C'est très difficile pour nous de traiter les maladies chroniques qui exigent un suivi médical en utilisant les mêmes médicaments ou d'établir un contrôle des cas durant une période bien déterminée et de prescrire des médicaments selon l'évolution de la maladie. Cependant, même si vous utilisez un médicament précis, vous serez obligé, après 2 mois, de donner au malade un autre médicament parce que vous n'en aviez pas le choix. L'une des maladies qui exige une attention particulière et qu'on trouve fréquemment dans les camps de Tindouf est le diabète ou l'hypertension artérielle, résultant du style de vie mené dans ces camps et du manque de médicaments. Quand nous venons ici, nous ramenons avec nous plus de 1000 kilos de médicaments, mais la gestion des médicaments ici est très complexe. Quand nous revenons après 5 ou 8 mois d'absence, nous constatons que ces médicaments ont tout simplement disparu. Vous avez dit que vous rameniez au camp plus de 1000 kg de médicaments. Sont-ils distribués dans les 5 camps ? Non, ces médicaments sont juste destinés au camp Laayoun. J'ai dit de 1000 à 1200 kg de médicaments destinés seulement au camp Laayoun. Et qui contiennent aussi des pansements, des stérilisants et des antibiotiques.
antibiótico, antidiarreico, droga intravenosa. Pour ce qui est des médicaments, il existe plusieurs initiatives au niveau international, mais j'ignore comment sont transportés ces médicaments vers les hôpitaux et les centres de santé. Je n'ai aucune idée concernant leur distribution. Dans le hall d'un hôpital, je suis approchée par un individu vêtu d'un tablier blanc. Il commence à me parler en espagnol avec un accent qui me paraît familier et bizarre en même temps. Il parle avec un accent cubain, il s'agit d'un vétérinaire qui a étudié à Cuba. La présence d'un vétérinaire dans un hôpital réservé à la population est surprenante. Il me fournit des statistiques sur l'opération du contrôle sanitaire des troupeaux destinés à la consommation, en me montrant un cahier où il a tout enregistré. Mais une chose a attiré particulièrement mon attention. La dernière chose qu'il m'a montrée datait du mois de mai, alors que nous sommes au mois de novembre. À la fin de ma visite, durant laquelle je me suis rendu compte de la situation anarchique de l'hôpital, j'ai été accompagnée une seconde fois au bureau du directeur de l'hôpital. Leur principal souci était de savoir si je pensais que l'endroit était approprié pour abriter le bureau du directeur. Ma visite au camp coïncidait avec la saisie d'un nombre indéterminé de voitures transportant les aides composées d'équipements de santé, de manuels scolaires et de produits alimentaires. La saisie a duré 4 jours au port d'Oran. Pour en savoir plus, je me rends à une administration affiliée au Polisario. Les responsables disent ne rien savoir à propos de cette saisie. Ils me demandent d'aller voir le Croissant Rouge. Là, je n'ai trouvé que des employés qui étaient en train de manger et de boire tout en regardant la télévision. Nous parlons d'une population enclavée depuis de longues années et l'Algérie est le premier soutien des Sahraouis. Si nous nous intéressons à la réalité de ce soutien, nous constatons qu'il ne s'agit que d'un désert qui n'est d'aucune utilité pour l'Algérie. Si nous évoquons la facilitation de l'accès des marchandises dans les camps, ce sont surtout les Sahraouis qui payent le prix d'une façon ou d'une autre. Les aides que nous leur acheminons et les vacances estivales que nous offrons aux enfants, tout cela constitue une manne financière qui va dans les caisses de l'Algérie, en plus des droits de visa. Toutes les organisations de la société civile doivent avoir une autorisation spéciale délivrée par l'Algérie. L'Algérie, en fin de compte, est le filtre de tout ça. Et elle dispose de ce pouvoir. Après ma visite frustrante à l'hôpital Al Ayoun des réfugiés dans les camps de Tindouf, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital des spécialités de Al Ayoun, où j'ai été reçue par un médecin qui en est également le directeur général, accompagné de son staff. Hola, buenos días. Bonjour, ça va? La plupart des provinces, ils ont leurs hôpitaux provinciaux avec un hôpital régional au niveau de l'Ayoun. C'est un hôpital de référence. Les cas compliqués, les cas, le niveau, on appelle ça le niveau 2 parce qu'on évolue par niveau. Il y a même un projet de centre hospitalier universitaire avec une université de médecine qui va être créée à l'horizon de 2021. Les autres provinces, donc on avait dit, ils ont les hôpitaux provinciaux avec toutes les spécialités, gynécologie, pédiatrie, chirurgie, médecine générale, et le réseau ambulatoire aussi avec tous les programmes de santé, la vaccination, le suivi des femmes enceintes, la planification familiale. Donc c'est un système, comme partout dans le royaume, le ministère de Santé, il est organisé de la sorte. Ici, c'est la pharmacie. Il y a beaucoup de... Tous les services, ils ont leur pharmacie. Les malades qui sont hospitalisés, ils sont pris en charge. C'est généralement parce qu'on a une pharmacie de l'hôpital. Les médicaments, ils sont fournis à l'hôpital. Mais en ambulatoire,
les gens qui ont leur mutuelle, ils achètent ça à la pharmacie et tout ça. Les gens qui n'ont pas le remède, parce qu'on a un système pour les démunis, les gens qui n'ont pas. Donc, on leur donne gratuitement, soit dans l'hôpital, soit dans les centres de santé. Ce sont les appareils de dialyse, c'est-à-dire qu'ils sont de nouvelle génération. Est-ce que ce sont les malades qui fixent les séances? Non. C'est le système RAMED. Quand c'est un malade qui n'a pas de mutuelle, c'est 2 séances, 5 heures. Ça fait 10 heures par semaine. Et c'est des séances gratuites. 0 dirham. Il paye 0 dirham. Donc tout est gratuit ici? Totalement gratuit. Les médicaments, les médicaments injectables, la séance de dialyse. Total. La dialyse. Ça veut dire que les séances de dialyse, les injections, tout ça, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Et il n'y a pas de patient sur la liste d'attente. Ici, tout le monde a le droit d'accéder à ce centre. Et vous, vous êtes un infirmier sahraoui? Oui, madame. Tout le monde ici, ils sont nés ici. Tous les infirmiers sont formés ici, ils travaillent ici. Ici. Voilà, il y a... Nous allons voir maintenant. Le cœur de la dialyse, c'est la salle d'eau. Mm-hmm. Donc, elle est en train de traiter l'eau de ville. L'eau de ville, il y a des réservoirs en haut. Ici, on peut traiter jusqu'à 1600 litres d'eau par heure. 1600 litres d'eau par heure, totalement stérilisée. Oui, totalement stérilisée et libérée de tous ces micro-organismes. Et ce sont des eaux utilisées dans la purification des reins. La différence est donc palpable entre les deux régions durant ces 43 années. Dans les camps de Tindouf et en dépit de l'existence des nappes phréatiques, ils n'ont jamais tenté de créer un réseau de distribution d'eau. Par contre, à Laayoun, on n'a pas seulement procédé au traitement et à la distribution d'eau, mais aujourd'hui, chaque foyer dispose de l'eau potable 24 heures sur 24. De plus, plusieurs efforts ont été déployés pour permettre le dessalement de l'eau de mer en développant les énergies renouvelables. Il n'y a plus de sel. Il n'y a pas de sel. C'est de l'eau de mer, mais grâce à la technologie qu'on exploite, on a de l'eau pure. Donc c'est de l'eau potable. Bien sûr, et c'est de l'eau qui respecte aussi la norme internationale dans le domaine. Nous sommes ici dans la station de dessalement de l'eau de mer. Cette station a été mise en service depuis 1995. Il a été réalisé en plusieurs phases. Donc la première phase en 1995, la deuxième en 2005 et la troisième en 2010. C'est cette station qui alimente la ville de Laayoun et les agglomérations environnantes en eau potable, en plus bien sûr de la nappe d'eau douce. Comme vous le savez, les provinces du sud sont caractérisées par la rareté de l'eau. Donc s'il y a de l'eau ou bien si de l'eau saumâtre qui nécessite un traitement spécifique, ou bien c'est l'eau de mer. La seule nappe qu'on a, c'est la nappe de Foumloued. Donc depuis notre intervention, on a réalisé des projets en vigueur pour satisfaire les besoins de la ville de Laayoun et suivre le développement de la population. Aujourd'hui, on la refoule vers la ville, on la distribue dans le réseau pour satisfaire les besoins de la population. Mais après, on récolte aussi les eaux usées, on ramasse les eaux usées dans le réseau. On gère aussi ce qu'on appelle le réseau, l'assainissement liquide dans la ville. Après la collecte des eaux usées, il faut les traiter. Pour cela, aujourd'hui, on réalise un grand projet au niveau de Laayoun. C'est la station d'épuration des eaux usées, avec une technologie aussi très connue, le bois activé. On ne l'utilise plus. Maintenant, on utilise celle-là. C'est spiralé. Et de l'eau qu'on produit. On a de l'eau de mer, bien sûr, mais on a aussi le soleil, on a le vent. Donc, même si on est dans le désert, on peut utiliser de l'eau, produire de l'énergie à partir du éolien et du solaire.
Nous nous trouvons dans l'une des plus grandes stations de production de l'énergie éolienne dont dispose le Maroc. Elle se trouve à Tarfaya. Avec moi, Mohamed Ouided, le chef du service d'exploitation de ce parc. Ma première question est la suivante. Quand est-ce que ce parc éolien a été créé et quelle est sa capacité de production ? Ce parc a été construit depuis fin 2012, ou plutôt fin 2011, et la mise en service a été au deuxième trimestre 2013. La production annuelle est environ 200 gigawattheures, ce qui permet d'éviter environ 150 000 tonnes par an des émissions de gaz à effet de serre. On a plusieurs parcs. Celui-là, c'est le parc Foum El Oued, 50,6 MW, et on a d'autres parcs, notamment à Tarfaya, 300 MW. À ce moment, c'est le plus grand, c'est la plus grande puissance en Afrique. Et on a aussi des parcs à Boujdour et à Arfenir et aussi à Tanger. La ville de Laayoun n'a pas connu qu'un développement vertical, mais aussi horizontal à travers l'établissement de structures permettant la construction d'un port de pêche et aussi des mines de phosphate dont la production locale représente seulement 2% de la production globale marocaine. Toutes ces matières servent à améliorer le niveau de vie de la population locale et permettent la création de postes d'emploi. Rouali Khattari, je suis originaire de la région de Laayoun et je fais partie de la tribu Izraguiyine au niveau de Laayoun. Ça fait maintenant presque 16 ans que je pratique au niveau de Laayoun et puis j'ai un staff composé de presque 80% des agents et des cadres qui sont tous originaires de la région de sud du Royaume du Maroc. Et puis, c'est un staff qui me permet, avec bien entendu leurs compétences et leur savoir-faire, de contribuer dans le développement socio-économique de la région. Vous êtes aujourd'hui en visite de la plus grande halle aux poissons au niveau national. C'est une halle qui a été érigée sur une superficie de 8600 m². La première pierre, elle a été donnée par Sa Majesté Mohamed VI en 2006. Et puis, il a nécessité un investissement colossal aux alentours de 5 millions d'euros. Et c'est une halle qui est équipée de tous les équipements informatiques, si vous voulez, et toutes les techniques de manutention des produits qui respectent les normes de qualité qui existent au niveau international. Le secteur de la pêche, il participe directement à permettre à ces présidents des communes de programmer des investissements, que ce soit pour les infrastructures, que ce soit des équipements socio-économiques, tout ce que vous voulez pour créer, bien sûr, des villes en bonne et due forme qui disposent de toutes les installations qui permettent à la population de vivre dans des conditions les plus meilleures. La production locale des mines de phosphate de Laayoun ne représente que 2% de la production globale annuelle marocaine. Les recettes des phosphates sont investies pour l'amélioration des conditions de vie de la population locale, comme la création de la technopole Foum El Oued Laayoun. La technopole Foum El Oued, elle a un budget global de 200 millions de dollars. Donc je parle de l'eau. Oui, c'est-à-dire environ 2 milliards de dirhams. Et on a commencé les travaux de ce projet-là en mars 2018. Donc l'objectif, c'est d'achever déjà la première phase en fin d'année, c'est-à-dire qui consiste à achever tout ce qui est l'olo 1, gros œuvre et clos et couvert, avec tout ce qui est VRD et aménagement extérieur. Et la phase 2, c'est-à-dire à l'aménagement des centres de recherche, commencera à partir de janvier 2019. Vu le développement socio-économique très important que connaît Laayoun, nous avons remarqué qu'il existe bel et bien un centre pour inciter à la création d'entreprises et participer à la création de postes d'emploi pour les jeunes Sahraouis.
problème de chômage exactement surtout de la jeune population, c'est un problème mondial. Les gens qui font des investissements pour résoudre ce problème-là, l'État a fait beaucoup de choses exactement pour faire venir les investissements afin de résoudre ce fléau du chômage. Que diriez-vous à ceux qui ignorent tout sur les conditions de vie à La Hayoune et croient qu'il n'existe que la répression et l'absence totale de liberté? Que leur diriez-vous? Bien sûr, je vais leur dire une chose. J'étais avec eux exactement en 69 et en 70, 71, 72 et 73. Nous étudions tous ensemble. Eux, ils ont choisi exactement à l'époque cette idée de partir au campement de Tindouf. Moi, j'avais choisi de rester ici. Aujourd'hui, je leur dis que tout a changé. Aujourd'hui, il y a une démocratie. Tout qui veut créer son projet, qui veut créer son entreprise, qui veut travailler dans la fonction publique, qu'il soit le bienvenu. La politique locale au Maroc me rappelle les gouvernements régionaux en Espagne. Le conseil municipal gère les affaires locales de la région grâce au cadre sahraoui élu. Aussi, le développement de la région sur tous les plans s'effectue en parfaite symbiose avec les efforts déployés pour la préservation du patrimoine culturel et de l'identité sahraoui. La responsable de la salle d'exposition. Hola, gracias. Oye, hola. Fatma Zahra. Hola. Y Alia. ¿Qué son las responsables de aquí? Bueno, el señor Ahmed Dahi, lo he dicho bien. Sí. Es el encargado de... Êtes-vous le directeur régional de l'artisanat de La Hayoune? De la région de La Hayoune? De la région de La Hayoune. De la région de La Hayoune. Et là, ce sont bien les produits artisanaux des Sahraouis? Pura y dura, ¿no? Pura y dura, sí. Pura y dura. Vous êtes dans une galerie destinée à l'exposition des produits de l'artisanat local, fabriqués manuellement par des artisans sahraouis. Leurs créations sont exposées dans différentes régions du monde. Ils participent aux multiples événements organisés aussi bien sur le plan national qu'international. Dois-je donc comprendre qu'il n'existe ici aucun problème pour préserver le patrimoine sahraoui et pour le faire connaître à l'étranger? Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est la mission de cette administration et nous avons aussi la chambre de l'artisanat qui protège cet héritage culturel. Finalement, j'ai pu m'entretenir avec un réfugié à l'intérieur des camps de Tindouf. Il s'appelle Mahfoud. Il m'a révélé une réalité pénible et choquante que peu de gens connaissent dans un monde où sévit l'injustice pour beaucoup de gens. Une dure réalité racontée aussi par un ancien juge dans les camps de Tindouf. Mahfoud a été séquestré par 3 individus. Il s'agit d'une réalité totalement effrayante. Totalmente aterradora. Ici, c'est le camp Boukra? Oui, c'est le camp Boukra. Certaines personnes m'ont raconté qu'il existe aussi une localité dénommée Boukra. Dans la wilaya de La Hayoune. Ce quartier est le 4e. Et auparavant, j'étais dans le 3e quartier, celui d'El Hagounia. Oui, vous étiez à Al-Hagounia, dans le 3e quartier. Maintenant, vous êtes à Boukra, dans le 4e quartier. C'est très différent de notre conception. En Espagne, à propos de l'existence de 4 camps, c'est différent. Aujourd'hui, je rencontre Mahfoud en buvant un verre de thé. C'est une tradition ancestrale. Ici, le dialogue se fait autour d'un thé. Quand j'ai entamé ce projet, j'ai voulu que mon film documentaire soit objectif, sans parti pris, et qu'il rende compte de la réalité vécue au Sahara. Nous allons découvrir d'autres choses dont j'ai été témoin.
Mahfoud est 100% sahraoui, comme il le dit. 100%. Mahfoud, quelle est votre situation en tant que sahraoui dans les camps? Que voulez-vous? Peu avant le tournage, vous m'aviez dit que vous vous sentiez victime du conflit sur le Sahara. C'est exact. Dites-nous. Je suis sahraoui et victime à 100% du conflit sur le Sahara. Est-ce que vous sentez que le gouvernement du Polisario est raciste? Nous ne pouvons pas dire qu'il est raciste, mais quand je me réfère à ma situation, je vois que ce gouvernement n'existe pas. Car il ne se soucie pas de ma situation. Car il ne se soucie pas de votre situation? Il ne se soucie pas de moi. Saharaui, si hablas. Il ne tolère pas qu'on revendique nos droits ou qu'on dise la vérité sur ce qui se passe à l'intérieur des camps. Non, mais vous êtes une personne à dire la vérité. Avant le tournage, vous avez pleuré en me racontant votre situation. Avez-vous le sentiment d'être séquestré ici? Juste après, il va tout nous raconter, qu'il avait écrit et conservé son témoignage. Il a même écrit sur le mur, dehors, le Polisario. Vous m'avez aussi raconté que votre tante est décédée. Mon père et ma sœur aînée sont aussi décédés l'année dernière. Avant son décès, ma grande sœur, qui s'appelait Tarbaja, était gravement malade. Quand nous étions allés demander de l'aide au ministère de la Santé, un responsable m'a ordonné de me taire et de rentrer chez moi. Tout ceci parce que nous ne jouissons d'aucun droit. Pour moi, ce n'est pas un responsable du ministère de la Santé. Ce sont des gens qui nous ont abandonnés à notre sort. Ce n'est pas un gouvernement. Normalement, tout gouvernement doit subvenir aux besoins de sa population. Ils ne prennent soin que de leurs propres intérêts et de ceux de leur famille. Ils ne s'intéressent ni à moi, ni à ma mère, ni à ma famille. Les miens ne les intéressent pas. Un ancien juge nous raconte ce qui se passe réellement dans les arcanes de la justice à l'intérieur des camps de Tindouf. Je suis un descendant de la tribu Smassi d'Ergibet. J'ai regagné la mère patrie en 2015. J'ai été membre du Polisario pendant plus de 40 ans. J'ai eu une licence en droit et j'ai exercé dès 1995 pendant une vingtaine d'années. J'ai été président de plusieurs tribunaux du Polisario, depuis le tribunal de première instance jusqu'à la Cour suprême. J'ai aussi exercé au tribunal spécial pour la sécurité de l'État, comme l'appelle le Polisario. Durant ces 20 ans, j'ai eu la conviction que la volonté des dirigeants du Polisario était en opposition avec la situation catastrophique dans laquelle vivait la population séquestrée. Celle-ci subit la famine, la misère, les ceintures de sable, les vols. Les dirigeants, eux, accaparent les richesses et fructifient les projets à l'étranger. Ce que la direction entreprend constitue un vaste gaspillage de fonds publics orchestré au nom de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, au détriment des populations les plus vulnérables censées être les bénéficiaires du programme humanitaire. La direction du Polisario a détourné des aides humanitaires et l'équipement médical destiné à Tindouf en faisant circuler des mensonges vendant un état chimérique aux habitants des camps.
À mon avis, les dirigeants du Polisario ont effectivement obtenu leur indépendance parce qu'ils sont devenus très riches. En bénéficiant d'autres nationalités dans le monde, ils ont eu accès à des comptes bancaires ainsi qu'à des projets d'investissement en Europe. Je doute même que ces dirigeants soient réellement sahraouis, puisqu'ils disposent de plusieurs papiers d'identité et de résidence à l'étranger pour leurs enfants et tous les membres de leur famille. La plupart des gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Que se passe-t-il si quelqu'un ose ouvrir la bouche? Il ira en prison, comme moi. Ils peuvent me mettre en prison à tout moment, demain ou après-demain ou l'année prochaine. C'est-à-dire que vous avez pris un risque en nous parlant et qu'ils peuvent venir vous arrêter quand ils auront vu ce film? Oui, bien sûr, ils peuvent venir m'arrêter. Et vous torturer et vous jeter en prison? Ou me tuer même. Cela signifie que vous mettez votre vie en danger pour affirmer que la réalité dans les camps de Tindouf n'est pas celle qu'on nous vend à l'étranger. Non, ils vous mentent. Nous parlons d'une personne qui s'expose au danger et qui risque de perdre ce qu'il a de plus cher, sa vie, en témoignant pour démentir les mensonges sur la situation dans les camps de Tindouf. Durant les années où j'ai exercé comme juge, aucun responsable ne m'a été présenté pour avoir détourné des aides humanitaires. Aucun ministre, aucun directeur, aucun wali, aucun cadre de la direction du Polisario ne m'a été présenté. Comme si les dirigeants du Polisario étaient des anges, alors que c'est tout le contraire. Tout le monde sait que les camions transportant les aides humanitaires livrent régulièrement les marchés de la contrebande et que la direction du Polisario pratique la dilapidation de deniers publics. Tout le monde sait que la direction du Polisario ne fait que persécuter et opprimer les populations des camps. Cette direction ne permet de juger que les innocents sans preuve et en exécutant à la lettre les instructions algériennes de procéder à l'arrestation de telle ou de telle personne. La direction du Polisario travaille pour le compte du régime algérien pour que tous les opposants soient appréhendés. Vous êtes un homme courageux. Moi? Oui, parce que vous avez accepté de parler devant la caméra en dépit du risque de subir les affres de la direction du Polisario. Vous faites preuve d'un courage exceptionnel et vous exposez même votre famille aussi au danger. Sa maman est avec nous, mais nous n'allons pas la filmer. En fait, elle n'a aucune idée de ce que nous sommes en train de faire ou dire. Il a accepté de témoigner pour que les autres Sahraouis parlent aussi. Est-ce que les membres du Polisario mentent aux journalistes quand ils viennent ici en leur disant que tout se passe bien dans les camps? C'est vrai, pour eux, dans la rue, tout va bien. Pour moi, quand je pose la question aux gens, ils me répondent tous que tout va bien. Pour ceux qui vivent dans la ville de Tindouf, pour eux, les choses ne peuvent qu'être mieux. Mais pour les gens comme moi et comme beaucoup de Sahraouis, nous souffrons. Mais c'est Tindouf ici aussi. Ici, ce sont les camps de Tindouf, bien sûr. Ces raisons et bien d'autres nous ont incités à réfléchir au rôle que nous avions joué pendant 40 ans et à chercher à avoir la conscience tranquille en militant pour que justice soit rendue à cette population. Nous avons donc décidé, moi et d'autres camarades, qu'il nous était impossible de continuer à cautionner les exactions commises par la direction du Polisario et d'être complices des vols et du détournement des aides humanitaires. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion de militer pour une solution juste et réaliste. C'est pour ça que nous avons décidé de regagner la mère patrie. C'est la meilleure solution pour vivre en paix. Que le han recomendado que hiciera cuando ha sabido que yo venía
Parmi les choses qu'ils vous ont demandées quand ils ont su que j'allais vous rencontrer, c'est de cacher les aides humanitaires dont vous disposez chez vous avant notre rendez-vous. Oui, c'est vrai. C'est quoi le problème? Pourquoi ne permettons pas aux journalistes de voir les aides humanitaires acheminées au camp? Est-ce pour dire que vous ne recevez aucune aide étrangère? C'est clair. Les aides humanitaires qui proviennent de l'Espagne sont vendues à Rabouni et n'arrivent jamais à nos foyers. Ils vendent les aides que nous envoyons au camp? Oui. Pour eux, toute chose peut être commercialisée. Comme disait le proverbe, donnez-moi 1000 morceaux de gâteau et je vous offre un bonbon. Tel est le gouvernement du Polisario. Chacun de ses membres ne cherche que son propre intérêt. Vous voulez dire que quand je vous envoie de l'aide? Ah, c'est Khadijatou qui arrive. C'est ma sœur. Dis bonjour, Khadijatou. Est-ce qu'on peut continuer? Passez de l'autre côté. Nous tournons un entretien. Je vais voir si la caméra enregistre toujours. Est-ce qu'on peut reprendre l'entretien? Donc je vous disais, si je vous envoie de l'Espagne un colis ou une aide personnelle au camp. Pour les enfants? Imaginez que je vous envoie de l'aide à partir de l'Espagne. Le transport existe. Le transport de l'aide humanitaire? Mais je veux vous l'envoyer à vous personnellement. Est-ce que je peux être sûr qu'elle vous parviendra? Si on la met dans une cargaison d'aide destinée au Polisario, elle n'arrivera jamais. Elle ne vous parviendra pas et vous n'en saurez jamais rien. Non, non. Elle n'arrivera jamais par cette voie. Mais si vous me l'envoyez par le bus qui part de Séville, elle me parviendra sûrement, parce que c'est vous qui payez les frais de cet envoi. Ça veut dire que le colis doit être en votre nom pour parvenir à destination, mais si on le met dans une caravane d'aide humanitaire, il n'arrivera pas parce qu'il est détourné et vendu? Non, il n'arrivera jamais. Ils vendent les aides humanitaires dans les régions de Bachar et Oran avant d'être acheminés à Rabouni et puis vers la Mauritanie ou Tindouf. Nous n'avons jamais reçu de riz, de boîtes de thon ou quoi que ce soit en provenance d'Espagne. Je peux en témoigner. Ils disent toujours que la caravane de solidarité internationale est arrivée. Mais personne ne reçoit jamais rien, je vous l'assure. Nous sommes ici à Tindouf, en Algérie. Je ne suis pas algérien. Vous êtes Sahraouis, tous ici, dans les camps, vous êtes des Sahraouis. Non, nous ne sommes pas tous des Sahraouis. Ce sont des groupes sociaux de Sahraouis. Il y a ceux qui vivent en permanence dans les camps, et il y a ceux qui vivent dans la ville de Tindouf. Ils viennent le matin au camp, ils y passent seulement la journée et repartent à 17h pour dormir chez eux dans la ville de Tindouf. À Tindouf. Parce que la sécurité n'est pas garantie dans les camps. Ils peuvent venir pendant la nuit et vous agresser? Oui, ils nous frappent, c'est possible. Est-ce que les femmes subissent aussi ces agressions? Non, ils ne frappent pas les femmes, mais... Parce qu'elles ne parlent pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Et est-ce que votre sœur parle espagnol? Non. Ce que vous allez voir dépasse toute logique humaine. Mahfoud a décidé de raconter pour la première fois sa terrifiante expérience vécue dans les camps de Tindouf. Vous m'avez demandé d'arrêter le tournage parce que vous vouliez raconter une horrible expérience que vous avez endurée dans les camps. Vous m'avez dit que des éléments du Polisario vous ont sévèrement châtié
parce que vous aviez tenté de protester devant une administration. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Ça s'est passé dans une administration où je m'étais rendu pour retirer des documents et pour demander de l'aide. Et là, ils vous ont violé ? Chaque responsable me renvoyait à l'autre. C'était une honte. J'y suis resté jusqu'à 20 heures. À cette heure-ci, ils m'ont emmené à bord d'une voiture dans un endroit désert que je ne connaissais pas, derrière la zone de Rabouni. Et là, ils vous ont violé. Oui, j'ai subi des choses horribles et ignobles, des choses pénibles à raconter. Quand j'ai voulu déposer plainte auprès de la police relevant du Polisario, personne n'a voulu m'écouter. À la fin, j'ai décidé de garder le silence parce que j'avais peur et honte. Un témoignage poignant et affligeant. C'est là l'exemple de la réaction du Polisario à une expression de protestation et d'opposition à son gouvernement. Je me suis réunie avec des membres de la société civile de la ville de Laayoune où j'ai rencontré Hamada Albihi, un rescapé des camps de Tindouf et militant des droits de l'homme. J'ai vécu durant 4 décennies dans les camps autour de Tindouf et j'ai passé toute mon enfance à me déplacer entre l'Algérie et la Libye. J'ai aussi poursuivi mes études pendant 14 ans à Kouba. Quand je dis que j'ai étudié, ça veut dire que j'ai étudié, travaillé et souffert également. J'ai aussi passé 2 ans au Venezuela. Dans tous ces pays, l'Algérie, la Libye, Cuba ou le Venezuela, j'ai dû supporter des régimes autoritaires ou dictatoriaux qui livrent des discours métaphysiques, illogiques et irréalistes à leur peuple. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner la page du passé et de ne plus y penser. Je voudrais également vous dire une chose. J'ai eu l'occasion de participer aux travaux du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 4e Commission des Nations Unies, au cours desquels j'étais en confrontation directe avec ceux qui n'avaient pas le droit de parler en notre nom. J'entendais souvent ce mensonge qui disait que le Polisario était le seul représentant légitime du peuple sahraoui. Je me demande pourquoi parle-t-on du droit à la représentativité, alors que dans les camps, je n'avais même pas le droit de voter pour choisir celui qui allait me représenter. Nous sommes convaincus que nous pouvons facilement nous intégrer et vivre en paix au Maroc. Le fait de quitter le Maroc signifie politiquement de permettre à l'Algérie d'étendre son territoire vers le Sahara. Ce Sahara sera sous tutelle de l'Algérie. Si la sécession se réalise, ce que je n'espère pas et qui n'aura jamais lieu, ce sera une extension de la carte algérienne et c'est ce que veut l'Algérie. Ma rencontre avec la société civile m'a beaucoup impressionnée. Elle se préoccupe surtout d'avoir une vie digne et décente. Elle milite pour le respect des droits civiques, l'intégration des personnes à besoins spécifiques et regrette aussi la situation de leurs frères et sœurs dans les camps de Tindouf qui vivent dans une absence totale des droits de l'homme. Les femmes vivent dans la privation dans les camps de Tindouf. Elles vivent dans la soumission face à des pratiques les privant de leurs droits fondamentaux. On ne sait pas si elles ont choisi de vivre dans ces conditions ou si ce sont les hommes qui leur ont imposé de vivre ainsi. Lorsqu'on m'a invité à une cérémonie de mariage dans les camps de Tindouf, je voulais saisir l'occasion pour discuter avec des femmes, mais j'ai constaté qu'elles préféraient garder le silence, quelle que soit l'occasion. Ce n'est qu'en dehors des camps que leur langue se délie.
Je reprends le tournage en choisissant de le faire près de ce mur pour que personne ne reconnaisse ma position. J'ai essayé d'échanger avec des personnes sur leur vécu. Toutes veulent parler, mais loin de la caméra. Certaines personnes refusent même d'enregistrer leur voix. Elles ont peur de parler ouvertement, elles ont peur qu'on les prive d'aide humanitaire. Elles payeront cher leur courage, non par une sanction européenne ou algérienne, mais à cause d'un châtiment signé Polisario. Juste après mon retour à Vitoria, j'ai rencontré une femme dont le nom m'a été soufflé par une famille séquestrée dans les camps. La femme s'est dite disposée à témoigner et l'entretien était tourné dans un hôtel. On l'appellera Fatima. Elle nous raconte les souffrances des femmes dans les camps de Tindouf. Tout le monde a peur de la police et des politiciens membres du gouvernement du Polisario. La vérité, c'est que si quelqu'un ose protester comme cela a été le cas pour ma famille, il est immédiatement jeté en prison. Le gouvernement du Polisario a plusieurs visages. Vraiment, pour moi, il a plusieurs visages. Et maintenant, quelle est la situation des femmes à La Hayoun? Comment est leur vie? Est-ce que vous désirez faire une comparaison à travers cette visite? Je voudrais vous assurer que je vis en toute liberté. Et j'insiste sur le mot « liberté ». Personne ne me dicte ses lois ou limite mes déplacements. Pour voyager à Casablanca, à Rabat ou n'importe quel endroit, je n'ai besoin de l'autorisation de personne. Je dispose de mon propre passeport, de mon argent, ce qui me permet de me déplacer là où je veux et quand bon me semble. Ici, je ne suis pas une femme séquestrée ou vivant derrière des barreaux. Et si certains répandent des allégations selon lesquelles la femme sahraoui au Maroc n'est pas libre, ce ne sont que mensonges et propagande. Que dicen que la mujer no puede ir, no puede hacer, no puede tal y tal muchas cosas. Y todas estas son mentiras. Y en Granada, que yo estaba en Granada, cuando vas por la noche, vas por las calles. La vie a beaucoup changé ici, elle est devenue vraiment différente. Avant, le mode de vie avait un aspect bédouin, il a peu changé sous l'administration espagnole. Aujourd'hui, la vie est très différente. J'ai décidé de me réunir avec les chouchs et les leaders traditionnels des tribus sahraouis. Ce que j'ai vécu avec eux pendant plusieurs heures m'a beaucoup impressionné. Dans les camps de Tindouf, le Polisario procède à l'endoctrinement de la nouvelle génération. Ils sont systématiquement éduqués à haïr le Maroc et croire que le Polisario est le meilleur de ceux qui s'offrent à eux. C'est le même mensonge qu'ils vendent à l'étranger et qui leur permet de vivre du business de l'aide humanitaire. Après avoir pris connaissance de mon expérience, les chouchs ont exprimé leur tristesse et leur inquiétude de la situation dans les camps de Tindouf. Ils m'ont dit que les séquestrés de Tindouf étaient leurs frères.
En notre qualité de chiour des tribus, nous sommes les représentants de la société sahraoui traditionnelle et de ses coutumes. Les souffrances que vivent nos frères al-Ahmadat, telles que vous nous l'avez rapportées, sont vraiment catastrophiques. Donc, en tant que chiour, cela nous fait vraiment mal au cœur. Nous espérons que le conflit puisse être réglé le plus tôt possible pour que cessent les souffrances de nos frères et sœurs et que nous soyons de nouveau réunis. Comme vous l'avez constaté, la vie ici est très différente puisqu'on vit dans la dignité, la liberté et la sérénité. Vous avez pu visiter la ville en toute liberté et rencontrer les gens comme vous l'avez voulu. Nous souhaitons que vous racontiez la réalité telle que vous l'avez vue et rien que cela. Nous appelons aussi la communauté internationale à nous apporter son soutien pour résoudre cette question. Où se trouve donc la vérité? Que se passe-t-il réellement à l'intérieur des camps de Tindouf? Qui gouverne dans ces camps, les Algériens ou le Polisario, ou bien les deux? Pourquoi met-on tant d'obstacles à l'entrée et à la sortie de la zone? Pourquoi rien n'a été construit à Tindouf durant 43 années, malgré ces quantités énormes d'aide? Pourquoi trouve-t-on des riches et des pauvres dans une zone bénéficiant d'une aide supposée profiter à tout le monde? Les femmes des dirigeants du Polisario vont se soigner dans les hôpitaux européens. Des hôpitaux à Alger sont réservés aux dirigeants du Polisario et d'autres à la population. S'agit-il d'un commerce basé sur les aides humanitaires et les bonnes intentions de certaines personnes? La communauté internationale a-t-elle accepté d'abandonner cette population à son sort en contrepartie des dollars du pétrole? Pourquoi les aides qui parviennent à Tindouf échappent-elles au contrôle? Pourquoi ces aides n'arrivent qu'après avoir fait l'objet de vols? Des pharmacies vendent des médicaments à une population qui vit grâce aux aides humanitaires comprenant des médicaments. Après ma visite au camp de Tindouf et à Laayoune du côté marocain, j'ai constaté que la honte existait dans une seule région. Je ne l'ai pas trouvé du côté marocain où j'ai rencontré des Sahraouis et des rescapés de Tindouf. J'ai pu discuter avec eux en toute liberté et je me suis promenée dans les artères de la ville. À aucun moment je n'ai senti la répression et les soldats étaient nulle part. Par contre, dans les camps de Tindouf, où j'étais censée me déplacer en toute liberté, j'ai senti la peur. J'ai eu le sentiment d'avoir été mise sous surveillance. Les habitants des camps de Tindouf sont des réfugiés qui marchent les pieds nus sur des fils de fer barbelés, tandis que les dirigeants du Polisario amassent des fortunes. Ainsi, j'ai traversé la distance des quatre doigts qui séparent la vérité du mensonge, et tel a été le bilan des événements auxquels j'ai assisté et ce que j'ai vécu réellement.